Bonjour, bonjour, c'est Maxime, bienvenue sur Jeux Actu. Alors, chose promise, chose due, il y a quelques semaines, je vous ai annoncé que je vous ferai une vidéo spéciale, une vidéo pour les vacances d'été 2017, une vidéo concernant un unboxing exceptionnel, celui de toutes les PS4 Collector, sorties depuis l'avènement de la console de Sony, à savoir le 15 novembre 2013, c'était il y a déjà 4 ans, le temps file à toute allure. Eh bien, voilà, ça y est, nous y sommes, regardez juste devant moi, ce parterre de consoles collector PS4 dans leur boîtier d'origine. Elles sont toutes là, voilà, je les ai toutes réunies depuis toutes ces années où je vous propose ces unboxings sur notre chaîne YouTube et puis sur jeuxactu.com également. Eh bien, ça y est, j'avais envie voilà, de vous faire ce petit plaisir de toutes vous les réunir et on va toutes les compter ensemble, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, et il en manque une, vous le savez, c'est laquelle? Eh bien, c'est la PS4, 20e anniversaire, la 15e, et elle est juste ici, regardez, oh, elle est quand même assez lourde. Là, voici dans son boîtier, donc qui est vraiment différent de toutes les autres, la fameuse 20e anniversaire. On n'avait pas eu l'occasion de faire l'unboxing au moment de sa sortie, parce que bah, malheureusement, on ne l'avait pas eu. Et bien maintenant, on va réparer les choses ensemble. Les 15 collectors, les 15 PS4 collectors sont ici, juste devant moi et également devant vous. Alors c'est parti, on va toutes les déballer ensemble, avec bien sûr mes petits gants voilà, blancs pour voilà, tout respecter dans l'art, dans les règles de l'art japonais. Mais voilà, je ne veux pas m'amuser à toutes les unboxer, ça va prendre un temps énorme, car grâce à la magie du montage, vous allez voir, en un petit claquement de doigts, ça sera fait. C'est parti? Allez, on y va. Et voilà la magie du montage. Regardez, toutes les consoles sont sorties de leur boîtier. Elles sont toutes là, il y en a 15. Vous pouvez les compter. Elles sont toutes ici, même la 20e anniversaire que j'ai posée juste devant. Alors, je ne vous cacherai pas, j'ai mis un petit temps pour pouvoir toutes les déballer les unes après les autres et puis les poser comme ça sur la table avec soin, avec le plus grand soin, bien entendu. Je n'ai pas compté, mais j'ai dû mettre une bonne demi-heure. Alors franchement, sans deck, retirer tous les boîtiers, les câbles, les remettre, pouvoir les positionner à leur bon endroit, c'était assez compliqué. Mais ça y est, voilà, regardez, elles sont toutes là. Je vais pouvoir d'ailleurs enfiler mes petits gants de velours blanc, comme vous me connaissez. Hein. Cette tradition japonaise que je respecte au pied de la lettre, bien entendu, pour pouvoir manipuler eh ben, ces merveilleuses consoles, comme vous le savez. Alors, on va commencer peut-être avec la 20e anniversaire. Bah, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la seule console que j'ai pas pu déballer lors de sa sortie donc, le 19 décembre 2014. Donc voilà, donc on va commencer par celle-ci. Alors, regardez, la console est juste là. La grande particularité, vous le savez, de cette machine, c'est qu'elle a été complètement sérigraphée. Voilà, hop! Sur son capot, avec les petits symboles PlayStation, croix, rond, carré et puis triangle, ici, là, sur la partie, en fait, mate. Tout est sérigraphié, tout est gravé au laser. Voilà, je vais vous faire des petits zooms, mais on va voir ici. Nous avons l'ensemble des symboles PlayStation, avec donc les symboles, et puis le chiffre 20 également, pour marquer les 20 ans, enfin, en tout cas, le 20e anniversaire de la marque PlayStation, avec ici aussi un joli macaron sur le côté, qui nous permet donc de connaître, parce que ce sont des séries qui sont limitées, mais aussi numérotées. Et celle-ci, nous avons là 10 060e sur 12 300. Voilà, donc il y a eu 12 300 consoles qui ont été distribuées, vendues et offertes à des gagnants de concours. Alors bien sûr aussi, le fameux logo PlayStation de la première PlayStation qui a été mis ici. Donc avec les couleurs de l'époque également, le gris de l'époque aussi. Et non, c'est vraiment une très jolie machine, un très joli modèle qui est vraiment peut-être le modèle le plus collector de tous, bien entendu, qui se vend aujourd'hui. Franchement, si vous cherchez sur les sites tels que eBay ou Le Bon Coin, ça se vend franchement pas en dessous de 700, 800 euros. En tout cas, elles sont déjà ouvertes, hein, ce sont des consoles qui sont déjà ouvertes. Et voilà, et en France, on peut la trouver neuve, non ouverte, avec les preuves d'achat, tout ça, à environ 2000, 3000 euros. Donc c'est vraiment la console la plus prisée. Alors évidemment, on est loin des 20 000, 30 000 euros qui avaient circulé à l'époque, au moment sur eBay, quelques jours après la sortie de la machine. Les prix sont redescendus, hein, l'euphorie, l'effervescence est redescendue. Donc voilà, donc cette machine que vous pouvez également retrouver ici, regardez, avec
le bouton Home, enfin en tout cas le bouton, oui, ici la PlayStation qui a été modifiée également aux couleurs de la première PlayStation. Le pavé tactile est également sérigraphié avec le 20 et les logos PlayStation. Donc on retrouve vraiment tout le côté très collector hein, de la machine qui est ici. Et nous l'avons également là pour vous la présenter. Tout ça a été livré dans un boîtier assez costaud, assez massif. Ici, alors attendez, je vais essayer de ne pas faire l'andouille et poser ça délicatement sur les machines pour vous montrer le contenu du boîtier. Hop. C'est un exercice assez compliqué hein, que je suis en train de faire. C'est assez dangereux ce que je fais finalement hein, parce que il suffit d'un effet domino et j'ai toutes les consoles qui se cassent la gueule de la table. Et franchement, je rigolerais moins. Voilà, donc là, vous le voyez, l'intérieur. Tout a été, tout est matelassé, vraiment le boîtier est assez unique en son genre. Alors je vous rappelle également que la 20e anniversaire, nous avons donc la caméra PlayStation qui a été livrée également. Voilà, comme ceci, vous pouvez le voir. Nous avons aussi le socle, que je vais essayer de retirer, qui est là aussi, hein, le fameux socle qui permet de tenir la console verticalement sans aucun souci. Et tous les petits câbles qui sont en plus. Voilà, donc ça c'est vraiment le boîtier de la console 20e anniversaire. Hop, voilà. Alors la toute première machine, c'est celle-ci. C'est la PS4 standard, sortie le 15 novembre 2013. Ça fait déjà 4 ans, hein, tout le monde la connaît. C'est vraiment celle qui est vraiment la plus réussie de toutes. Hein. Lorsque Sony l'avait sortie à l'époque, je trouvais vraiment le design vraiment osé. D'avoir une machine voilà, qui a à peu près cette gueule, donc voilà, donc on la présente plus, elle est ici. Nous avons, hop, la blanche, regardez, toute belle, dans sa jolie robe également. Donc là c'est la version qui est brillante d'un côté, mat de l'autre, car comme je vous le disais tout à l'heure, il existe aussi une version totalement mat. Alors attendez, je vais essayer de ne pas faire de conneries, parce que je ne pourrais pas les faire tomber. Attendez, voilà, hop. Donc nous avons la noire qui est ici, la blanche qui est là, vous arrivez à les voir, hein, d'accord. Hop, juste en dessous, juste après, donc, la collector Batman Arkham Knight, donc, qui était sorti, je ne me souviens plus trop de la date, mais donc c'était en 2015, début 2015. Elle est ici, regardez, qui est vraiment très jolie également. Elle a été pas mal travaillée avec sa manette. Joli coloris, double coloris. Voilà. La fameuse MGS5 qui, pour moi, franchement, j'ai un gros faible pour cette machine. Et très honnêtement, je vais être totalement honnête avec vous, c'est ma préférée. Pour moi, c'est la plus belle de toutes ces PS4 qui sont sorties jusqu'à présent. Je la mets même devant la 20e anniversaire. Alors la 20e anniversaire, il y a un côté assez nostalgique dans le sens où elle reprend tous les codes couleurs, les symboles, tout ça. Le fait qu'elle soit ultra limitée, forcément, ça lui confère vraiment. C'est vraiment la console la plus recherchée, c'est la plus collector, j'ai envie de dire. Mais moi, celle qui me tient à cœur, celle que je porte dans mon cœur, celle que je trouve la plus réussie, la plus belle, c'est sans aucun doute celle-ci. Parce que là, vraiment, il y a eu un vrai travail de recherche au niveau de l'harmonie, aussi bien des coloris que... que de sa sobriété, le fait déjà, regardez, d'avoir ce mariage entre le rouge et le noir sur le capot supérieur et le bas qui est totalement noir, le rouge métal, le rouge sang, qui rappelle bien sûr le bras métallique de monsieur Big Boss, tout simplement, avec ce fameux liseré voilà, jaune qu'il parcourt, là. Ça c'est vraiment la classe suprême. Le petit logo Diamond's Dogs qui est positionné ici, vraiment tout discrètement. Et au-dessus, voilà, le petit le titre Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, Tactical Espionage Operation. Et là, en fait, c'est la version où il y a la fameuse faute d'orthographe, qui est donc juste ici. Molit Beum Lubricants, voilà, là, il y a une petite faute d'orthographe. Et donc, c'est la version la plus collector encore, car vous le savez, ensuite, Sony a relancé des productions avec l'écriture qui était vraiment correcte. Donc, du coup, celle-ci, elle est encore plus... recherché que les autres. Et puis là aussi, regardez, je trouve que à chaque fois, vous savez, quand ils sortent une console avec un coloris,
la manette suit avec. Et là, pour le coup, ils ont complètement fait quelque chose de différent. Et lorsqu'on met les deux ensemble, ça rappelle véritablement le bras métallique de Big Boss dans l'épisode, tout simplement. Et voilà, je suis tout à fait franc avec vous. Pour moi, c'est aujourd'hui ma préférée. Voilà, pour moi, c'est la plus belle, c'est la plus travaillée. C'est celle-ci. Et vraiment, là, aujourd'hui, maintenant que nous avons les 15, il n'y a pas de doute possible. Juste après, nous avons la Destiny, donc le roi des corrompus, qui est sorti donc quelques mois après. Elle aussi, très jolie en fait, tout simplement, parce que c'est pas juste en fait une sérigraphie qui était posée dessus, elle était carrément presque gravée au laser. Ça me fait tout drôle de toutes les ressortir comme ça, parce que, alors vous le savez, hein, je les ai toutes déballées les unes après les autres, mais voilà, après je les remballe, elles restent dans leur paquet, ça reste dans un coin comme ça pour le côté collector, mais voilà, les ressortir comme ça et les revoir toutes ces années après, ça me fait quelque chose. Et je me dis quand même que sur cette génération de consoles, Sony s'est vraiment vraiment donné beaucoup de peine sur les éditions collector. Je trouve qu'il y a vraiment du travail. Voilà, qu'on passe de l'une à l'autre, elles sont vraiment très jolies. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, mais chaque fois il y a quelque chose vraiment de différent. La preuve, regardez celle-ci, la fameuse Black Ops 3, qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, franchement. Évidemment qu'on la regarde comme ça toute seule, on se dit putain mais c'est moche, c'est quoi ces logos qui ont été posés dessus. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas un gros travail dessus, là c'est vraiment juste des liserés qui ont été posés dessus, ça n'a pas été gravé, donc il n'y a pas ce côté vraiment très 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 noble de ce qu'on peut trouver sur la Destiny ou sur la Metal Gear par exemple. Et puis vraiment la manette elle est assez choquante, c'est vrai qu'elle est assez choquante. Mais regardez, il y a quand même quand on les met côte à côte comme ça, on se dit que quand même, hein, c'est osé d'avoir proposé un tel choix de coloris. Et pour le coup, lorsqu'on les met tout ensemble, c'est vraiment plutôt sympathique. Voilà, donc là, je l'ai mis à l'envers, elle est comme ça. Voilà, donc ça, c'est la PlayStation, la PS4, Call of Duty, Black Ops 3. Juste après, nous avons eu, la Dark Vador, qui pour moi, à l'époque, quand elle était sortie, je l'ai trouvée assez moche, faut le dire. Je trouve que le dessin de Dark Vador manque cruellement d'originalité, déjà. Et puis, le coup de crayon n'est pas terrible. On dirait une espèce de décalcomanie qui a été posée dessus. C'est vraiment pas très joli. Pour le coup, ça, là, je reste encore sur mon premier avis. Hein, je la trouve vraiment pas très, très jolie. Mais ce qui lui donnait un côté encore un petit peu plus classe, c'est que là, en fait, il y avait vraiment le logo Star Wars qui était gravé tout autour du casque de Dark Vador. Donc ça, c'était plutôt pas mal. C'était le côté un peu plus noble en plus que nous proposait cette machine. Et puis là encore, ce fameux coloris rouge, blanc, bleu. C'était vraiment assez osé, faut dire. Hein. Et puis tout le pavé tactile sur lequel était marqué Star Wars, là en gros, le gros logo Star Wars. Ça valait la peine également de se la procurer. Pour les grands collectionneurs. Ensuite, nous avons eu donc Uncharted 4. Et comme je vous disais tout à l'heure, encore trouvable dans le commerce. Hein, si vous allez par exemple dans certaines Fnac, vous pouvez la trouver, en tout cas certaines Fnac à Paris. Là donc, écoutez, plutôt pas mal, hein, le coloris, j'en retrouve. Tout a été vraiment... c'est du mat en fait, tout le capot est en mat. Donc ça, c'était un choix esthétique qui a été fait par Sony. Mais c'est vrai, là, on aurait pu avoir une sérigraphie plus classe, gravée également au laser par exemple. Non, tout ça, ça a été posé par-dessus. Mais néanmoins, dans son ensemble, ça a plutôt une bonne gueule, hein, avec notre ami Nathan Drake. La manette qui est donc dans le même coloris, est ici, voilà. Ensuite, la Slim. Voilà, c'est la console qu'on retrouve aujourd'hui dans le commerce. C'est celle qui a remplacé la standard aujourd'hui, hein, avec un design qui a été revu et corrigé, des angles plus arrondis, plus petits, consomme moins d'électricité, qui fait moins de bruit aussi. Donc voilà, celle-là on la connaît, hein, on va pas repasser dessus. Quelques mois plus tard, nous avons eu la Pro, donc plus massive, hein, vous voyez, si on fait la comparaison, hein, c'est nettement plus gros, plus massive, plus puissante, plus chère également, quoique aujourd'hui on peut la trouver donc. Avec des promos, je crois qu'on peut la trouver vraiment à des tarifs vraiment assez proches de 350 euros lorsqu'il y a des promos.
cas lorsqu'il y avait des soldes, ou alors en tout cas la 399 et des jeux sont offerts. Pendant ces soldes-là, il y a eu quelques tarifs sympathiques. La Pro qu'on connaît aussi. La collector Final Fantasy XV qui est sortie juste après, là encore. Donc première PS4 Slim collector avec un capot qui était entièrement en brillant. Ça se voit vraiment à la caméra, entièrement en brillant. Donc là aussi, pas mal osé. C'est encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, une version chinoise qui était nettement plus belle avec un design plus joli. Là, on a la Moon, on a la Lune. C'est un peu mon Jean-Claude Van Damme qui est vraiment, qui est sérigraphié sur le capot. Donc ça lui confère un charme assez, assez fatal quand même. Juste après, ils nous ont sorti le Glacé White en slim, coloris, classique également, on connaît par cœur, bien entendu. Et enfin, pour terminer, les dernières que j'ai unboxées il y a quelques semaines, il y a deux semaines maintenant, donc la Gold et la Silver, qui, ma foi, se défendent pas mal par rapport aux autres. Elles ont vraiment de la gueule. Je sais pas si... Alors, je les vois pas très bien, mais regardez. Franchement, la Gold, moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment très classe. Je pensais que ce serait un peu bling bling. Et en fait, finalement, ça fait plutôt pas mal. Les manettes également, regardez. Très jolie aussi. Donc, une belle harmonie de console. Voilà, elles sont toutes là. Les 15 machines que Sony a sorties depuis le 15 novembre 2013. Il y a maintenant bientôt 4 ans. Elles sont toutes ici. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà, tout ensemble. Eh bien, dites-moi. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire, vous qui me regardez, laquelle préférez-vous? Laquelle de ces consoles est pour vous la plus belle? Encore une fois, je vous le rappelle, moi, j'ai vraiment un véritable coup de cœur pour celle-ci. La Metal Gear Solid 5, qui est pour moi la plus réussie. C'est vraiment, voilà, si je devais en choisir qu'une seule, ce serait véritablement celle-là. Je joue vraiment à un jeu dangereux à faire ces conneries. Voilà, pour moi, voilà, c'est les deux que je préfère, c'est celle-ci, véritablement. La 20e anniversaire et la Metal Gear Solid 5. Et si je devais en choisir qu'une seule, ce serait la Metal Gear Solid 5. Hop, allez, on pose, pas faire de bêtises, là. Un peu en sueur, pour pas vous cacher, là, parce que je manipule ces consoles collector, il suffit qu'il y en ait une que tombe, ça fasse un petit jeu de domino. Je suis un peu dans la merde. Voilà, en tout cas, c'était... l'unboxing de toutes ces PS4 collector, ces 15 PS4 collector qui sont sortis depuis 4 ans maintenant. Vous l'avez certainement vu, il y a une PS4 Pro blanche qui arrive à la rentrée prochaine. Évidemment, je serai là pour vous la déballer. En tout cas, je vous l'avais promis pour ces vacances d'été, pour passer juillet et août dans les meilleures conditions, cette fameuse vidéo de toutes les PS4 collector. J'espère qu'elle vous a plu. Merci en tout cas de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour ceux qui ont aimé la vidéo, à partager, à laisser un commentaire, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à aller visiter bien sûr notre page Facebook, notre compte Twitter, aller sur joactu.com pour suivre toute l'actualité du jeu vidéo en temps réel. Merci encore. Je vous souhaite de passer d'excellentes vacances pour ceux qui vont partir, pour ceux qui y sont déjà. Nous, on va essayer de continuer. On a d'autres vidéos qui arrivent sur Jouactu, bien entendu. On va aussi partir au Tokyo Game Show dans quelques mois, à la rentrée, bien sûr. Merci encore de nous avoir suivis. Je vous fais des bisous. À très bientôt. Ciao.